OPT, le monde à portée de main. Matchs seront encore joués dans cette Super League 2022. Bonjour à tous et à toutes. Place ce samedi à la 21e et avant-dernière journée du championnat Elite Kagou. S'en suivra la 22e journée. Mais pour autant, John, pas moins de 14 rencontres seront ensuite programmées entre le 26 novembre et le 17 décembre. Donc forcément, un calendrier un peu à part, un peu particulier, certes. Mais en tout cas, on devrait avoir du suspense jusqu'au bout, jusqu'au moins à la mi-décembre, que ce soit pour le titre ou pour le maintien. C'est vrai. Bonjour déjà Romain, bonjour à tous. Aujourd'hui on va vivre cette 21e journée avec beaucoup d'attention. Et les journées qui vont arriver, celles qui ont été en retard, on va pouvoir les vivre tranquillement juste avant la Noël. Quoi. Et puis il y aura forcément ces batailles à distance. Hein. Alors pour le maintien certes, mais pour le titre également, on l'a vu sur nos antennes la semaine dernière. Tiga a fait quand même un grand pas vers le titre, mais il reste 5 matchs aussi au solide leader de Tocanode, pour aller chercher ce titre et pour aussi consolider, valider cette première place. Tiga a maintenant son destin entre ses mains. Donc tout va dépendre des résultats qu'ils vont faire durant ces 5 derniers matchs. Et puis on va commencer par le programme là, qui s'affiche à l'écran. Voilà, Tiga qui affronte l'AS Wetsch aujourd'hui, coup d'envoi à 17h30. Et puis cette rencontre qui va nous intéresser dès maintenant, puisque donc coup d'envoi imminent à 15h. Une belle rencontre en perspective entre l'AS Cougnet et l'AS Mondor. Deux équipes hein, qui ont assuré leur maintien, mais qui vont essayer d'aller chercher au moins cette quatrième place et puis de se rapprocher de ce podium. Un petit derby du Sud, ça fait toujours du bien. Et puis c'est clair que c'est deux équipes qui aiment jouer, c'est deux équipes qui aiment le jeu. Puis on va s'éclater peut-être pour cette première partie de cette 21e journée. Et on n'a pas de pluie aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière, un temps agréable, couvert, mais une température égale, un peu de vent certes quand même. Avec quelques rafales, on le voit là à l'écran. Une belle image pour commencer de cette production, alors que c'est vrai que ça s'assombrit un peu, mais on devrait quand même échapper aux gouttes aujourd'hui. Et on va aussi vous proposer le classement actuel avant, donc ces 26 matchs restants. Donc il y aura cette 21e journée ce samedi 12 novembre, la semaine prochaine le 19, il y aura cette 22e journée avec donc 6 rencontres pour aujourd'hui et 6 rencontres pour le week-end prochain, et puis 14 autres matchs en retard aussi à disputer. Donc forcément, on est en train de sortir nos calculettes. C'est sûr. Là, on voit à l'écran, donc tous les matchs ils vont se jouer ce samedi et ce dimanche. Et c'est clair qu'il y a des équipes, je vois juste le dimanche, Jimbé et LSI, qui sont eux, justement, pour cette 11e place qui est synonyme de barragiste. Ça va se battre. Et puis surtout, comme tu disais, tout le monde aux calculettes pour voir à calculer qui va perdre, qui va gagner, qu'est-ce que ça pourrait engendrer pour les prochains matchs. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Tiga Sport est maître de son destin. Donc s'ils gagnaient tous leurs matchs, ils n'avaient rien à craindre de ceux qui étaient derrière. On va voir justement ce classement avec en tête ces 5 points d'avance que Tiga a pris sur Yengen Sport. Désormais 3e, mais avec 2 matchs de retard quand même sur l'AS Magenta. Magenta est à l'affût. Magenta peut aussi prétendre à cette 2e place, synonyme aussi de barrage pour la Champions League océanienne 2023. Oui, après eux aussi, c'est pareil, Magenta, ils dépendent des résultats de Yengen Sport avec leurs 2 matchs en retard. Donc Yengen, pour pouvoir accrocher cette 2e place et la préserver, il faut la même chose que Tiga Sport. Et puis dans le bas du classement, la JS Baco, on le sait, jouera en PH promotion honneur Nord l'an prochain. Tandis que Dumbéa, tu as fait tes calculs justement, John, ouais, juste avant sur cette avant-prise d'antenne. Ça va être compliqué, mais c'est encore faisable. En tout cas, il reste 3 matchs à Dumbéa pour essayer de rattraper ce petit peloton là de deuxième partie de tableau. Juanono, Lossi, Wetsch, Horizon Passo. Là où on parlait de calcul, c'est aussi qu'il faut savoir que forcément, Dumbéa, vous le voyez, a parfois 3 matchs d'avance sur Juanono, parfois 2 sur Lossi et 1 sur Wedge. Donc on essaie de calculer un peu et de voir comment ça va se passer cette fin de saison aussi pour le maintien. Ça va être difficile pour le FC Dumbéa, mais il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout des choses. Pour eux, il faut gagner leurs 3 matchs. S'il y a une seule petite erreur, ça compliquerait de plus en plus justement la situation de cette équipe. 3 matchs, c'est 12 points. 4 points la victoire, 2 points le nul, 1 point la défaite. C'est le calcul, ça fait 45 max pour eux, le nombre de points. Donc toutes les autres équipes, si vous arrivez à 45, vous êtes sauvés. On va passer aux compositions des deux formations pour cette première rencontre diffusée sur les antennes
de Pacific Plus et la FCF TV Web pour cette 21e journée du championnat élite calédonien avec l'AS Kounié et le duo Kenji Wandegou et François Louis-Marie qui ne dérogent pas la règle. Ce sera un 4-4-2 avec à plat avec ce milieu de terrain récupérateur Vakoumé Cotereux aujourd'hui. La défense à 4, Doué Perret, Vaquier, l'autre Doué Perret, Louis Daniel et Gabriel Vakoumé à droite. Et puis on a quand même offensivement de quoi faire avec vous, vous le voyez hein, sur le banc quand même Jean-Paul Aoudra. Puis ce quatuor là, Manmion et Ouéré, Doué Perret, Vendégou qui peut faire mal et qui va très vite. Très vite, oui. Et puis on sait que le 13 de l'AS Kounié, donc Gianni Monmieux, fait partie des meilleurs buteurs. 11 buts. 11 buts, voilà, c'est le deuxième meilleur buteur avec bah justement son compère Boaoué qui est en face. Ils sont à 11 buts et donc c'est des équipes intéressantes offensivement. Donc on aura aussi un petit duel dans le duel au niveau du classement des buteurs avec Arsène Boaoué, le buteur de l'AS Mondor qui sera titulaire aujourd'hui. On va le voir donc sur cette composition de l'équipe mondorienne mise en place par Patrick Diaïké alors que les deux formations font leur entrée sur la pelouse du stade Nouma Dele. Et on souhaite la bienvenue à nos téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Pacific Plus qui nous rejoignent avec, on s'en excuse, un petit retard à l'allumage au niveau technique. En tout cas, on est bien là et bien ensemble pour suivre et bien ces deux rencontres de l'après-midi. Et donc, Kounié-Mondor, c'est pour tout de suite avec donc du côté de la SMD, le 11 mis en place par Patrick Diaïké. Puis vous le voyez dans les buts, Dimitri Pétémou qui retrouve le 11 de départ. Et puis ce 3-5-2 hein, mis en place par Patrick Diaïké qui fonctionne bien. On voit que maintenant, c'est vrai que cette équipe a pris ses repères, John, avec... notamment les cadres comme Dan Vaquier, que vous le voyez en piston gauche, et puis Boaoué devant. Et c'est une équipe qui n'a pas arrêté de travailler, qui n'a pas arrêté de se construire avec Patrick Diaïké, ce jeune coach, qui a mis en place cette formation. Et puis petit à petit, ça progresse dans l'évolution. Les automatismes se trouvent bien. Ils arrivent à justement trouver une cohésion dans cette équipe. J'espère qu'ils vont la garder pour l'année prochaine parce que c'est un groupe qui est très intéressant. Et puis il y a un duel entre joueurs de l'île des Pins, forcément, les deux Vaquier. Dan d'un côté, Vincent de l'autre. Alors il faut savoir que Vincent avait aussi joué à l'AS Mondor hein, il y a un peu plus de 10 ans. Vincent Vaquier qui avait fait aussi le bonheur de l'AS Mondor à l'époque, en gagnant des titres notamment. Et c'est d'ailleurs les derniers titres du club mondorien. Le trio arbitral aujourd'hui, Bertrand Brial qui passe au centre avec l'assistance Chevalier Claude et puis Dany. Tawaroa, les deux arbitres assistants de cette rencontre, et puis les deux coachs. Vous le voyez à droite, François Louis-Marie et Patrick Diaïké, ancien grand joueur de ce club mondorien qui a raflé les titres dans les années 2000. Patou Diaïké, et puis qui voilà, a pris la tête de cette équipe Fagnon, qui fait un sacré boulot, alors que c'est François Louis-Marie à l'image, mais que Kenji Vendégou va sortir de son banc tout à l'heure, le duo de coach habituel de l'AS Kounié. Arkenji aussi qui coach les jeunes hein, le samedi et qui par moment arrive un tout petit peu après le début du match. Et on peut l'excuser parce que vu le travail qu'il fait auprès de son club et de ses catégories jeunes également, parce que forcément un club ce n'est pas que l'équipe Fagnon, que l'équipe senior. Mais c'est tous ces jeunes derrière qui justement préparent, qui se préparent à remplacer tous ces joueurs qui sont sur le terrain. Allez, en tout cas, on a 22 acteurs prêts et bien prêts à en découdre pour aller chercher ces 4 points de la victoire et entériner définitivement bah, cette place dans cette première partie de tableau avec à l'image ce monsieur plus de l'AS Mondor encore cette année, Arsène Boaoué, 11 buts face à lui, Gianni Manmieux, 11 buts 11 également. Buts aussi, ouais. Et puis surtout, on a deux équipes qui ont su trouver leur repère, on en parlait sur cette saison et au fil des semaines, avec quand même une équipe jeune de l'AS Kounié qui était à un moment très mal en très mal, oui. Et puis là, ça, ils sont bien repris, puis c'est reparti pour eux. Et puis leur parcours en coupe, hein, cette équipe de l'île des Pins qui leur a fait du bien. Hein, ils ont été tout proches de sortir Yengen en demi. En demi, oui. Allez, monsieur Brial. Exceptionnellement au centre aujourd'hui, qui lance donc cette rencontre de la 21e journée de Super League. On est en direct sur la chaîne Pacific Plus et la FCF TV Web. On va aussi avoir deux styles de jeu
un peu différent, Jones. Ça va être intéressant de voir quelles sont les animations offensives qui vont découler de cette rencontre et de cette opposition. Un jeu très vertical côté Aes Kounye, peut-être un peu plus posé dans l'entrejeu au niveau du Mondor. On pense notamment à ce jeune milieu de terrain, Jules Omey, qui est capable d'amener sa petite touche technique. Ouais, et puis avec la formation que Patou il a mis en place, Patrick Gueyquet, où il a 5 milieux. Attention, ça part très vite, non mieux. Il est repris. Et bien couvert par Boineau. Ah, ça va être un beau duel aussi sur ce côté droit là. Manmieux face au latéral gauche Boineau, le jeune joueur Boineau, prometteur de l'AS Mondor. L'AS Mondor qui a vu passer pas mal de bons joueurs, de grands joueurs. Notamment, je pense en fait, pourquoi je pense à lui aujourd'hui, à Patrice Mondawé, ouais. À qui on lui présente, fédéral, d'ailleurs. Que je présente, enfin qu'on présente des condoléances parce que son papa est parti dans la semaine. En tout cas, c'est un joueur qui a fait les beaux jours aussi de l'AS Mondor et puis un joueur de qualité. Je crois que c'est un des joueurs que j'ai tout. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste jusqu'à maintenant. J'ai jamais vu un joueur aussi. Qui était aussi passé par le FC Nantes. Là. Qui est passé par le FC Nantes avec moi à Nantes. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas retrouvé un joueur de son profil et qui a le même caractère et qui a la même intelligence. Et, bon, y a, en tout cas, c'est des éloges sur ce joueur parce que. On va rendre hommage forcément à la famille et aux proches. Là, toute la famille Mondawé, Falawan Nekwe, voilà. Toute la condoléance. Patrice Mondawé, donc. Très très grand joueur. Toujours aussi investi du côté de Wailou dans le football. Il a passé son diplôme cette année, le BMF. Et qui milite pour les jeunes au club de. Ah, c'est son leitmotiv, c'est les jeunes. Il veut s'occuper des jeunes. Le travail d'ailleurs, le club mis en place, notamment soutenu par la commune. Allez, retour au match avec retour au match cette première seconde de jeu. Où ça s'observe, c'est encore timide. Ce petit derby du sud avec. Avec Bois, oui, justement, qui touche son premier ballon. Attention, ses premiers ballons. Il est revenu, Roberto Nouéré. De l'autre côté, il l'a vu. Et il va aller fixer, c'est bien vu avec Manmieux. Manmieux, il cherchait le centre. C'est contré. Et belle intervention là de Vakoumé. Vakoumé, il va les provoquer. Il a le dessus. Mais superbe retour. Thiou Kouanou. Omey. Il va laisser l'avantage. Bien joué, monsieur Brial. Bien joué. Ah, ça va très vite après. Ouh, dommage, la combinaison. Chercher. C'est pas fini. À droite là-bas, il l'a vu. C'est au deuxième ballon. Ah, c'est fort, c'est et fort. C'est fort, un peu dommage. Là où c'est intéressant aussi, cette équipe mondorienne, jeune, c'est le rôle aussi de Dan Vaquier dans ce couloir gauche, là, le rôle de flanqueur, et qui arrive souvent à trouver le jeu à l'opposé. C'est opposé, puis même de la verticalité, elle est très vite vers l'avant. Et c'est ce qui est intéressant quand ce milieu qui met en place Patrick Gueyquet arrive à trouver ses automatismes. C'est justement ces combinaisons qui permettent d'aller très vite vers l'avant et créer des décalages assez rapidement, comme on a pu le voir sur cette action. Après, les intentions, elles sont bonnes, il manque juste de la justesse dans la transmission, la qualité de la passe. Mais ça va venir avec du travail. C'est dans la répétition qu'on arrive à trouver de la qualité. On parlait de Dan Vaquier, le revoilà, ce ballon vers l'avant, côté gauche. Reima qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est votre Marvin Onegou qui s'est fait mal. Alors, on va suivre forcément ça. Élément important, Vendégou, Marvin, et on revoit ce.
Allez, retour au jeu. Il y a eu un petit temps de flottement. Cette touche, on cherche et trouve Neuwirri, Roberto Neuwirri. Bien joué. Intervention de la défense, notamment avec Son Adjapounia. Et dans cette surface de réparation, avec Mathieu Dupéré, qui avait marqué en demi-finale de coupe, hein, face à Yann Gay. Attention encore. Gianni, bien placé à chaque fois. Je crois que c'est la chaussure. Elle pense moins sur la chaussure. Et ça repart. Phase de construction avec Dan Baquet. Il n'a pas vu arriver Marvin. Rendez-vous, pardon. Communiquer, lui dire ça vient. Ouais, il aurait dû lui dire. Dans la boîte avec un long ballon, il a fallu être surpris là. Et on repart avec un jeu intérieur, mais la récupération hein, tout de suite de la SK et la frappe lointaine. Ouais, ils évitent la transmission du ballon de la part des défenseurs, les trois défenseurs du Mandor. C'est de les empêcher de trouver leur milieu. On voit des renvois en tout cas assez bas hein, du côté du Mandor. Du Mandor ouais. Je passe avec notamment sa grandeur 6 mètres. C'est très sortir. Court. Longue touche, c'est pas une longue touche. Allez, ça, ils sont tous du côté droit pour repartir la Dan Vaki. Il faut qu'ils se mettent un peu. Il y a une faute. On laisse gagner. C'est un coup intéressant ça. Ça se rapproche tout doucement, c'est plus arrêté de la surface de réparation et la qualité aussi avec Roberto. De Neuwirri. Roberto. Il va pas être rentrant. Sortant, on va le voir. On peut aussi la tenter, peut-être en essayant de surprendre PTMU. Je pense que ça va être quand même plus rechercher les grands là. Ouais, et puis il y a le vent. Le capitaine Vaquier. Il a le vent de face. Allez, libéré. Mur à 3 en place. Le gardien PTMU, oh, sur un poteau. Super. Ils avaient été battus. Ouais, le gardien barre de jugement derrière, ils n'ont pas pu en profiter. En tout cas, Mathieu. On suivra forcément les autres résultats en cours sur cette journée de samedi. Avec quand même un match du côté de La Roche. Attention, il est scellé. L'horizon passe au Renault Sport. Un beau derby des îles qui sera décalé à 18h d'ailleurs. Broadway, centre, c'est trop long. Et puis on le voyait hein, sur le programme tout à l'heure qui a été mis en avant-match. On aura aussi une rencontre demain, dimanche, importante à faire de NBA aussi. Ouais, faut d'NBA gagne pour avoir encore continuer à avoir des chances. Le derby du Nord aussi entre Bako et Yengen. On voit 16h et un déplacement périlleux hein, pour Magenta. Alifou. Alifou face au Nadiou, le deuxième contre le quatrième. Ça.
sortie, elle n'est pas sortie. Pourquoi il s'arrête ? Retrouver son capitaine Vaquier. Chercher dans l'axe. On a ces deux puissants là, milieu récupérateur, Vakoumé et Kotoro, là, qui vont essayer de ratisser. Allez, on a trouvé Boaoué qui cherchait un remise. Ça tient, c'est ça. Dommage, et donc ballon rendu à l'équipe de l'île des Pins. Ah, qui, comme l'an passé, Cougné, John a fait une très très bonne deuxième partie de deuxième saison. Deuxième partie de saison, c'est vrai. Une première plus compliquée. Alors, c'est vrai que quand ils vont réussir à réaliser un équilibre, une saison complète, ça risque de faire mal. De tirer vers le haut, hein, forcément. Ou sur le ballon. Vers Boaoué. Boaoué. Dans la surface de réparation, Arsène Boaoué cherchait à ramener sa frappe et il est fauché dans cette surface. Il a sa jambe pénalty. Entre. Pénalty. Ouais. La jambe de Vincent Vaquier entre les deux jambes de Arsène. On va voir. On empêche Arsène de progresser. Et donc penalty voilà. À venir, oui, effectivement. Entre les deux jambes. Va-t-il se faire justice lui-même, Arsène Boaoué, pour son 12e but et pour ouvrir la marque. C'est bien parti pour. Face à Geronimo Waiwe, qui n'est pas le gardien habituel hein, du côté de Cougné. Non. Arsène Boaoué, l'ancien de cette équipe, pour montrer la voie et pour lancer pleinement cette partie. S'offrira aussi un 12e but dans cette saison 2022. Boaoué. Et l'arrêt de Geronimo. Attention, c'est une faute. Et une faute signalée sur le gardien. Ben voilà, super barré. Bravo à Boaoué. Le penalty raté donc du buteur mondorien. Qui vient s'excuser. Félicité par son capitaine. Vincent Vaquier. Qui est bien content de ce pénalty raté. On le voit. Ah, il a tiré un peu trop dans l'axe, je pense. Après, c'est le gardien qui l'arrête. C'est le gardien qui est donc déjà décisif sur cette première énorme occasion. Et ce pénalty raté donc d'Arsène Boaoué. On surnomme Mao. Peut-être son prénom. Hein, non. Allez, ce ballon encore dans l'axe. On a Dan Vaquier qui cherche des solutions intérieures, qui essaye de combiner avec ses joueurs. Ils sont 5. Romayel n'est pas moins doux, notamment derrière les attaquants, qui proposent et offrent des solutions intéressantes dans l'axe. Ouais, ils ont musclé leur milieu du côté du Mondor, donc ils ont besoin de trouver tous ces joueurs qui vont être en soutien des attaquants. Pouvoir relier des défenseurs après derrière pour l'instant Cougné joue bien le coup. Ils arrivent à quadriller correctement ce milieu de terrain malgré qu'ils soient deux vraiment à défendre parce qu'ils sont beaucoup portés vers l'avant. Roberto Neyre et Gianni Monmieux. Allez ciao et ça renverse encore, on le voit à l'opposé. C'est un peu le style mondorien cette année, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver rapidement. On est très disponible.
Ou ce bon ballon, on part sur la défense, ah, un jeu signalé ah, ouais, bon. Par monsieur l'assistant. Alors forcément, John, on va revenir sur cette rencontre Tiga Wedge qui sera intéressante. Wedge qui peut hein, peut-être essayer, qui va devoir essayer en tout cas de perturber le leader Tiga pour engranger des points. Alors que bah, l'équipe de Tokanod, on le disait, va devoir aussi valider son succès, son beau succès 3-1 face à Yengen la semaine dernière. Oui. Parce que rien n'est fait. Non, et puis il ne faut pas qu'ils se mettent la pression. Ils ont montré jusque-là une solidité défensive et puis une qualité offensive intéressante. On le voit, hein, c'est la meilleure attaque avec plus de 54 buts marqués. Attention, on va sur ce ballon avec Romayel n'est pas moins doux. Ah, il a tergiversé, dommage. Traîné. Et ça revient ça malgré tout vers Aboaoui. Oui. Attention, parce ça que ça va bien. Très vite du côté de l'île des Pins quand ça part. Donc oui, après Tiga Sport, comme je disais tout à l'heure, ils ont cette pression à ne pas faire de faux pas. Mais faut qu'ils gardent justement le même comportement et puis le même caractère qu'ils ont eu durant les 20 journées qui sont passées. Et Wedge, ils vont essayer de se sortir de cette jeune zone de la 11e place. Donc ah, Wedge, il ne faudrait pas qu'ils nourrissent des regrets. On l'a vu la semaine dernière. Il ils faut ont, pas jouer ils ont quelques moments d'absence qui c'est leur coûtent des points. C'est inattention qu'il va falloir gérer. Et tout à l'heure, il faudra être au taquet tout le match face au leader. Ah oui, attends, super contrôle. Ça, super oh là, contrôle il nous régale un peu, Omey. Ah, toujours aussi. Impressionnant techniquement. Attention parce que ça va très vite aussi de l'autre côté. Et ça joue en contre et vertical. Dans la verticalité côté Cougnier, mais heureusement la défense de voilà, il est là, il y a là le danger. Bien replacé. Jules Omey qui fait un bon début de match. Hein. Ouais. Nous a gratifié de superbes gestes techniques là depuis ces 17 premières minutes de jeu. Il y a une petite colle là. Ouais. Ça va. C'est un ballon très haut. On l'a pas vu, c'est juste avant. Voilà. Alors forcément, hein, tu soulignais que c'est vrai que Jules Omey a encore travaillé sur l'efficacité dans son jeu, épuré son jeu, mais quel joueur quand même ce Jules. Jeune joueur. Du brut là, il faut maintenant affiner ça. C'est bien fait ça, dommage, un peu long, mais l'idée était là d'aller chercher au second poteau. Il n'y avait personne. Et Gabriel Bakoumé, déjà dans le replacement et la transition défensive. Voilà. C'est là, de l'autre côté. Ah, c'est très bien joué ça. Il y a de l'espace avec ce ballon qui va être sauvé par Boaoui. Second poteau, super. Dan Vaquier. Bien joué, Gabriel Vaquier. Qui recommence avec un soutien derrière. Ah, ça, c'est bien voilà, fait. C'est ça. Avec Waeo. Cherche à nouveau second poteau. L'intervention du gardien de l'île des Pins et la frappe de Boaoui. Geronimo Waeo, pour l'instant, ça ne passe pas. Yersen Boaoui. Qui avait là la deuxième grosse opportunité d'ouvrir le score. Alors que vous le voyez, Vincent Vaquier qui se charge de ses renvois au 6 mètres. C'est très long dans l'axe, plein axe. La couverture, heureusement, de. Ils sont bien en place quand même les joueurs de Cougnier. Bueno. Adjapunia, pris par Newere. Ah, superbe ça avec Dolpéré, malheureusement jeu. Hors jeu. Ouais. C'était limite. Ah, ouais, si je veux que c'est limite, parce que je vois TUV qui est descendu. Aldo, on va le voir. Et ça repart. Pour le Mondor, mais c'est directement redonné à l'adversaire. Manmieux, on appuie remise, bien fait. N'est pas moins doux. Qui repasse par l'arrière. Et on peut reconstruire donc à nouveau.
Avec Comey. Ciao qui a décroché. Ah, ça joue bien. Ça joue bien. Ça on essaye de travailler ce bloc adverse. Ouais, il faut aller de l'autre côté maintenant. Et on renverse le jeu. C'est ça après. Il faut continuer, pas directement. Et chercher un décalage. Et dès que le décalage est créé, voilà, comme ça. Là, c'est pas pareil. La vitesse, elle est au rendez-vous. Ils arrivent à surprendre l'adversaire. Frappe enchaînée. Attention. Bien joué. Ouais, on voit, il est arrivé. Kenji. Rendez-vous à l'image. Voilà. Joueur de Lascunier. Dernièrement mieux. Une des révélations de cette saison 2022. D'ailleurs, il est deuxième meilleur buteur. Ou confirmation, parce que c'est vrai que là, déjà la saison dernière, elle avait été très en vue, mais c'est vrai que là, bon, là il a passé un cap. Mieux, voilà, c'est ça, et c'est ce qui est bien. Notamment dans son compteur but là, qui est impressionnant, 11 buts, alors qu'il joue, il joue pas devant, hein, il est milieu offensif. C'est bien, c'est ce comportement qu'il faut avoir. On est bon, mais on cherche à être meilleur. Et c'est ce qu'il a fait une saison, il a fait une bonne saison l'année dernière, et aujourd'hui, elle fait une meilleure saison. Il progresse. Ouais, c'est le propre. Bon, ah oui. La qualité. Il attend du soutien. Après, ils ont mis du temps quand même à venir le soutenir. Joey va ouvrir de l'autre côté à droite. Omey, il peut revenir. Faut pas la perdre. Omey. Attention. Parce que là, ça va très vite. Derrière, ils sont que 3. Et si ça passe, si. Heureusement, bon retour. Bon retour de Bueno. C'était pas Bueno. Nous voilà Bueno qu'on a vu à l'écran. Il transmet ce ballon. Voilà, il faut qu'ils insistent au sol, c'est bloqué. Faut refaire. Coulisse, le bloc s'est déplacé. À droite, c'est fermé à droite. On recommence, on passe à gauche. Dès qu'il y a une faille, dès qu'il y a un décalage, on accélère le jeu, on va vers l'avant. C'est pas d'insister, c'est de passer dans un côté fermé. C'est possible, mais c'est. On loue la qualité offensive de Manmeu là, et à l'image, on voit aussi qu'il est très important dans ce remplacement et ces transitions. Il est obligé, ils sont 5 au milieu, de se replacer, sinon, on a des boulevards. Ouh, cette tête de Boaoué. C'est Manu aussi un joueur capital dans justement cette animation défensive et dans. Ouais, il n'hésite pas sur les efforts. Hein. Gianni de replacement, c'est important. Ça, parce que là, il va chercher haut. Et après, ça permet justement à Dan d'être tout seul. On le voit là, il est esselé, Dan Vaquier. Allez, la vitesse de n'est pas moins doux. Et superbe le tact de Gabriel Vakoumé. Omey. Trop tard. Passement de jambe. Là, c'est un festival. On a trouvé à l'intérieur. Ils sont multipliés dans l'axe. Après, ça aurait été difficile de passer dans l'axe. Il fallait écarter, ouvrir sur le côté. Voilà, Daniel est tout seul. Il va aller voir l'autre côté. Attention, c'est encore trop tôt. Voilà, très bien joué ça. Allez, partir à gauche. Pas trop tard. Trop tard, il a insisté sur ce côté fermé alors qu'il y avait Dan Vaquier de l'autre côté. Ça revient justement vers Dan Vaquier un peu par chance. Mais encore le bon retour de Manmeu. Attention, parce que ça va aller vite, 2 contre 3. Doué Péré, Mathieu Doué Péré qui fixe plein axe. Et la faute de Théouvi. On voit que c'est des bombes, deux bombes devant Doué Péré et Vendégout. Il faut faire très attention. Là, Roberto Nairé, il s'occupait d'un joueur qui était au sol, je sais pas qui était au sol, je crois que c'était n'est pas moins doux, Romayel, je suis pas sûr. Non.
En tout cas, s'il était de la partie sur le. Ça aurait fait un 3 contre 3 et ça aurait pas été pareil. Donc attention à cette vitesse d'exécution que peuvent donner justement l'AS Cougnet sur ses animations offensives. Ça peut mettre en difficulté l'AS Mandor, surtout s'il reste que 3 derrière. S'il n'y a pas un des milieux défensifs de l'AS Mandor qui vient justement aider Omei ou Waheo. Alors coup franc plein axe, c'est très lointain, attention, on cherche dans attention. La boîte, Petemou, ah, attention ce ballon qui revient vers Doué Péré et le but qui est validé, ouais, parce qu'il Mathieu Doué Péré qui ouvre la marque. Il y a une collision entre deux joueurs. On va suivre ça en ralenti au replay forcément. Voilà Monsieur Brial qui vient s'expliquer auprès du gardien Petemou qui visiblement est venu buter Buano. Contre Thiou Buano. Hein. Oui. Et il a même perdu sa chaussure, en tout cas ça fait 1-0. On va le voir. Donc on revoit. Ah non, c'est un joueur de l'AS Cougnet qui. Ouais, peut-être une faute. On va revoir ça peut-être une nouvelle fois en ralenti. En tout cas pour l'instant, il est bien marqué et validé ce but par Mathieu Doué Péré. Et bien l'ouverture du score est arrivée. Et ça fait 1-0. Après, il est masqué, l'arbitre il est derrière ce mur noir et blanc de joueurs. Non, on le verra pas. Allez, on voit. On le verra pas. Ah, c'était juste avant, je crois que ça. Voilà, on va voir ça. Alors. Ah ouais, il y a une faute parce que je pense qu'il est déséquilibré par. Il me semble que c'est Vakoumé. Ouais, je sais pas, ça parce qu'il décolle tard. Pas facile hein, non plus à juger cette action. L'arbitre a évalué qu'il y avait but, il n'y avait pas faute. Il y a 1-0 sur le tableau d'affichage. Ah. En tout cas, Cougnet mène 1-0. Mène 1-0 et donc prend les devants. Attention, super ballon. Appui en mise bien fait et le soutien, il arrive de Manmieux. Cherche dans l'axe, au second poteau, Néwéré, où il commençait à armer son pied gauche. On a commencé à trembler du côté du monde. Hein. Il faut qu'ils insistent, il faut qu'ils arrivent à ouvrir, donner de l'air au jeu. Bien joué. Encore une fois, un ballon. Bien joué. Attention, il faut vite revenir. Avec ce centre de Doué Péré raté devant des goûts, pardon. Marvin devant des goûts qui était encore esselé à l'opposé. Attention à la couverture à l'opposé côté Mandor. Là, ça fait 2-3 fois. Trouve des solutions côté Lille des Pins. Alors on voit 3 contre 4. Ça après il n'y a plus personne. Ouais, ils reviennent une position d'enjeu. On le voit sur l'écran, le placement des 4 joueurs, pas forcément très bien placé. Alors mieux s'organiser défensivement, surtout quand les milieux ou les deux flanqueurs, Dan Vaquier et Ronaldo Nonu, ne descendent pas pour défendre. Alors c'est vrai que Ronaldo, hein, c'est plus un joueur à vocation offensive, contrairement à Dan Vaquier. Donc c'est aussi trouver le juste équilibre. C'est ça, il faut trouver le juste équilibre. Et puis se permuter, essayer de parler avec Jules Omei sur le côté droit, Ronaldo Nonmeux ou Hector Wario avec la paire Vaquier. Pour les compensations. Les compensations, c'est ça, il y en a un qui descend, l'autre qui reste un peu plus haut. En tout cas, communiquer. Et corner, coup de pied de coin pour Marvin Vendégout. On voit ce jeu joue avec son corps, protection de balle. Protection de balle, ouais. Et ça va être rentrant avec la patte gauche, celle de Roberto Néwéré. Bien tiré, heureusement, Vaquier à la fermeture. Caméra latérale qui fait
deuxième corner consécutif pour Newere. Encore en second, oh, premier poteau. Ah, pardon. On a demandé main. Une main là. Grave, elle est restée le long du corps, il faut continuer de jouer. Avec ah, cette tête de Wakoumé, on s'est mal compris. Une deuxième fois. Newere, ah, ils sont mieux, hein, les joueurs de l'île des Pins. Ils ont pris un peu le dessus là depuis 10 minutes. Ouais. Ça a amené d'ailleurs l'ouverture du score, mais là on n'était pas loin d'un penalty encore. C'est Il n'y a pas le long du corps. Augmente sa surface corporelle. Temps de débat actuellement dans le foot moderne au niveau de ses mains. C'est pour ça qu'il y a la VAR, quoi. Là, l'arbitre est placé difficilement pour voir. Attention. Attention, Codemo encore. Patrick Gueke. Replace les joueurs, attention. Ce ballon. Et plein axe là. Ah, il aurait dû la mettre avant, plus vite. Contre les... Ça, c'est. Jouer en première intention. On a vu le joueur démarquer, on lui donne le ballon, on ne va pas lui porter le ballon. Lui porter le ballon, c'est donner l'opportunité à un défenseur, le défenseur adverse, de resserrer et de se replacer correctement. Si on lève, c'est de jouer vite. C'était au maximum de porter ce ballon. On va. Qualité technique hein, dans le petit espace de Roberto Newery. Et on a passé donc cette demi-heure de jeu. Et donc ce petit but d'avance pour l'ASK. Ouais, voilà, c'est 4 contre 4. Ils mettent du temps les joueurs. Voilà, c'est bien Dan Vaquet, il est descendu. Ah, par contre, faut accompagner un peu. Il faut aller plus vite. Le replacement. Plus vite on se replace défensivement, mieux on a de difficulté à contrôler, à voir l'adversaire arriver. Sinon, on court vers son but et c'est plus difficile pour défendre. Et Romayel, n'est pas moins nous, 4 d'espace. Quel bon ballon, ça va être un peu long. Il hésite. Et ouais, il a hésité. Oui, qui ne prend pas de risque, mais l'intention c'était superbe. Hein. Ah, très belle. Oui, c'est ça. Les intentions elles sont bonnes. Après, c'est clair que c'est le dosage, c'est la qualité de la passe, c'est la justesse de transmission. C'est ces choses-là qu'il va falloir maîtriser. Mais c'est bien déjà. C'est la base. Avoir de bonnes intentions et après, on ajuste. On le voit, hein, Romayel, dès qu'il arrive à se dégager hein, de. Son marquage et se donner de l'espace avec sa vitesse, c'est certainement la clé pour le Mondor encore aujourd'hui. Bah, il joue son rôle de 10, il essaie de trouver vite la vitesse et trouver l'espace. Donc touche dans cette surface de réparation. Vincent Vaquier de la tête et on ne prend pas de risque avec Vendegou qui cherchait loin devant. Mathieu Doué-Péré le buteur. Récupération mondorienne avec Adja Pugna. Dans l'axe, avec cette déviation de Vaquier. On fixe côté droit. Oui, faute. Et la faute. Et coup franc excentré intéressant pour l'AS Mondor. On revoit. Il n'y a pas rien à dire. On a un milieu défensif, on le disait, très costaud hein, côté, côté Cougnet. Patrick Cotteret et Philippe Vaquoumé. Ils auraient dû essayer de frapper, de frapper en rentrant. Paramètre le gardien, c'est un nouveau gardien. Le vent est avec lui, il a le vent dans le dos. C'est Ronaldo Nonmeu. On le voit, un alignement
défensif côté Cougnon. On essaie de jouer leur mur, jeu. Au niveau du mur. Ouh, c'était bien tiré. Ouais. Coup de pied de coin. Ouais, forcément, l'erreur, c'est de ne pas descendre cette ligne de défense trop basse sur ces coups francs excentrés. Ouais, faut rester à hauteur du mur. De quoi sinon mieux, mettre en difficulté le gardien au niveau de son intervention. Et corner à suivre avec Boaoué, premier poteau. Superbe la course de Dan Vaquier. Corner encore. Et bien coupé. Bien coupé, ça. Piqué vers ce premier poteau. Ah, et c'est la zone qui est difficile pour un gardien, ça, le premier poteau. Et corner de l'autre côté cette fois-ci. Super. Oh. On a tenté la bicyclette. Ah, bon, ouais, ensuite. Il attaque, il aurait quand même eu le temps de contrôler, pas ajuster sa frappe. Mais Arsène Boaoué, pour l'instant, pas en verve devant le but, mais il est toujours présent. Et le buteur mondorien qui va peut-être s'ajuster pour aller tenter de marquer ce 12e but et surtout égaliser pour égaliser, son équipe. Je crois que c'est surtout ça qui est... Ouais, il n'y a plus d'enjeu du côté du Mondor. C'est vraiment travailler sur les différentes phases, qu'elles soient offensives ou défensives, et de jouer ensemble. Puis derrière, c'est de tester de nouveaux joueurs pour Patrick Diaké. Il cherche plus à vraiment bien finir cette saison. Préparer l'avenir. Et surtout, ne pas donner l'occasion à cette 11e place de se rapprocher des joueurs de Cougné du Sud. Ah, voilà, ils sont quand même assez haut, les joueurs de Cougné. La percussion d'Omey. Ouais, il aurait pu. Bien fait. Avec Boaoué maintenant. Long ballon aérien. La mauvaise prise de balle. Ah, il y a une faute. Il signale la faute. On a été tout proche de l'égalisation. On va revoir hein, parce qu'il y a peut-être cherche sur le gardien, mais on a l'impression qu'il avait mal jugé. Et ce joueur box-to-box, hein, comme on les appelle, on le voit à l'image, Omey, qui permet à Boaoué ce centre, en tout cas cette chandelle. Il y a quand même une charge de Romayel, n'est pas moins doux, qui a bien cru égaliser. On y a cru aussi à un moment, mais monsieur l'arbitre n'a pas hésité, lui. Ça, bien joué. Déviation vers Boaoué. Vaquer. Pas de question. Ça, ça s'embarrasse pas. Pas chercher, ça donne de l'air, ça permet de se replacer son équipe. Replacer son équipe, très bien. Et on repasse à nouveau sur ce côté droit. Ce Mondor qui pousse là en cette fin de première période. Ah. On trouve à nouveau Boaoué qui sauve cette balle et qui obtient la touche. Raïma Chao avec Omey. Omey, c'est fort devant le but, bien fait. On a du mal à s'en sortir côté Cougné. Et voilà qui est fait avec toujours ce jeu aussi direct et vertical. Il était là, TOV. Veillé. Il n'est pas moins doux.
Ah, il va insister sur le côté fermé. Et bien, il perd le ballon, ce qui permet au Mandor très vite voilà, d'aller sur ce côté gauche. Le ballon. Il y avait mieux. Il y avait mieux. Plus préparé, prendre le temps. Ouais, il faut prendre le temps. Pas de mieux de la tête, de l'aérien. Et la couverture de Adjapunia. Romeille encore. Cherche le 1-2. Allez, très explosif, hein, Jules Romeille. Dans ce milieu de terrain mandorien. Ça se bat un peu de tous les côtés. Et bien fait ça. On va pouvoir aérer le jeu. Avec TUV. Très bien joué. Il n'y a pas de TOV. Attention à ne pas la perdre. Ouais, dommage. Ballon encore sur la tête d'Aldo TUV. Solide Aldo TUV sur cette première période. Pour l'instant, ça ne suffit pas. Le Mandor qui est toujours mené. Marvin Vendegou qui a pris de la vitesse sur ce côté droit. En tout cas, le petit Boineau, il fait son travail. Côté gauche, il arrive à bien cadrer les joueurs de Cougnet qui prennent son couloir. Il reste un peu moins de 3 minutes dans ce temps réglementaire. Attention, attention. La pression, attention. Le Mandor qui perd ce ballon, Manmieux qui se bat. Ballon devant, faut se parler. Gabriel Vakoumé qui cherche à l'opposé, bien fait vers Newere, très axial. Et ça va pouvoir peut-être embrayer côté gauche. Ah, il y avait la montée, l'arrivée de Jordan Doué-Péré. Et une faute. Ouais, faut pas qu'il soit aspiré le défenseur le plus excentré, les défenseurs axiaux. Là. Celui qui est le plus excentré, il ne faut pas qu'il soit trop aspiré par le côté où il y a le ballon. Il faut qu'il pense aussi que ce côté où il y a un boulevard. Donc regardez si il y a un milieu qui vient l'aider pour assurer la couverture. Il faut qu'il parle. Gardez les distances d'intervention qui soient adéquates. Allez, on est à quoi, 35 mètres. Ouais, à peu près. Il va pouvoir peut-être la tenter. Hein. C'est certainement Roberto qui va s'en charger. Voilà qui est fait. Et le mur. Et là, il faut aller vite. Ah. Bien sorti. Quoi. Mais on retrouve Newere, bien fait dans l'axe avec. C'était Louis Daniel de Doué-Péré, toujours aux avant-postes. Une main. Une main. On voit cette faute signalée. Ouais, deux équipes qui se tiennent en 9 points. 48 points hein, pour le Mandor, 39 pour Cougnet avec un match en moins. Mondor qui avait battu Yengen hein, juste avant 3, le départ des Nordistes en Coupe de France. Eux aussi, ils ont eu une première partie de saison délicate et puis au fil du temps, des semaines, ils ont trouvé le bon rythme, le bon tempo. Et c'est ce qu'on disait, Mondor, Magenta, c'était des équipes avec de nouveaux entraîneurs, avec un effectif un nouveau qui... cycle. Voilà, ça, donc...
un nouveau profil qui justement pour l'AS Mandor comme pour l'AS Magenta, et il faut trouver les automatismes, que les joueurs trouvent une cohésion entre eux, et puis petit à petit Magenta a su le trouver tout de suite, Mandor un peu moins, mais on voit comme il y a de la qualité. Alors que là, la SMD justement qui pousse avec Reynaldo Nonmeu, il y a peut-être un avantage, mais il est intervenu, monsieur Brial. Je crois qu'il, est-ce qu'il va frapper de là? En tout cas, ça sera certainement l'une des dernières chances de cette première période. C'est la dernière chance pour Il y a Fota quand même de. Il a le vent dans le dos. Ça, c'est. Ouais, ça... Danvaki est gaucher, voilà, c'est bien. Ouais, essayer peut-être, pourquoi pas, de trouver un rebond là, justement, entre le but et le point de pénalty pour déstabiliser le gardien et pourquoi pas trouver une déviation partenaire. 30 mètres, il peut frapper fort, il y a un ballon flottant. Ouais, non. Ouais, c'est joué un peu plus en finesse. Yeah. Et c'est Manu au second ballon, à la tombée. Prend un relais. Et il était là, bon, oui, bien replacé avec Romey. Voilà. L'AS Mandor qui essaye d'accélérer le jeu. Ils savent qu'on est dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu, le temps additionnel. C'est la mais on en restera là sur cette première période. John, une première mi-temps assez plaisante finalement. Oui, intéressante avec de belles combinaisons, des actions et des animations qui ont été menées de façon intéressante, où il y a eu de belles intentions. Après, derrière, même si ça manquait de justesse dans les transmissions ou dans les passes ou dans les techniquement, il y a quand même eu des choses intéressantes. Et puis donc Cougnier qui mène 1-0, l'AS Mandor, à l'image qui vont les joueurs mondoriens qui vont devoir chercher trouver la solution en seconde période pour au moins égaliser. La suite, c'est dans quelques instants après la pause. À tout à l'heure. Vachement intéressant parce qu'il revenait 3000 à l'heure, ami, ruiné, bien joué, super ce renversement de jeu avec cette prise de balle de ruiné, petit coup du sombrero pour essayer maintenant de décaler Décoiré, centre de Jean-Luc Décoiré, encore salué Eric Poujou, bon ballon avec cette superbe action. Cette crise Covid là qui est derrière nous, pouvoir discuter. Il est tout seul au deuxième poteau. Avec une grosse situation pour Yann Gensport. Le centre en retrait. Il a trop plongé. Décoiré là, ils sont deux défensivement du côté d'Yann Gen. Il y a une situation intéressante pour Berounet, le retour. Ouais, il y a pénalty. Oui, oui, c'est sûr. Penalty. Si, si, si. Berounet, ça ouais, passe, ça passe hein. Il est parti du bon. La bonne opération, c'est bien sûr Tiga qui l'a fait, alors que Oukan a fait passe encore dans le Oukan dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Il avait dit, à 35 points 9e. Attention ce crochet, c'est pas en retrait, ça m'a donné dommage. Voilà, c'est. Encore une fois, ce ballon dans la surface, on tente cette frappe. Oui. Ouh, le petit pont, on tourne, le petit gars. C'est tiré. Et il est là, Loé Soya, c'est pas fini. Avec un ballon qui traîne dans cette surface, on frappe et c'est finalement Décoiré.
que l'OS Royal se bat. Ça permet à Tiga de développer son action côté gauche. Heureusement que Pan s'arrête pour donner la victoire Super League. Cette frappe. Allez. Oh, magnifique. Je pensais qu'elle était dedans. Super. Bien joué, Rocky. Attention. Le arbitral, OS Royal, un contre un. L'OS Royal pour le 2-0. La parade de Nickel. Attention. Attention, il y a un choc impressionnant. L'OS Royal. Qui est passé, l'OS Royal se sort en retrait. Et le but, magnifique. Chiaroiné qui fait chier en 3-0. L'OS Royal. Voilà. C'est pas fini, où est les pannes. Ce championnat de Super League. Avec les stats. Et bon, ballon vers Ruiné. Oh, ah, pénalty. Ouais, la faute. Ah oui. Bien sûr. Prise d'Aït. Et l'arrêt. Incroyable. Ouais. Ouf. Il y a eu le premier avertissement. J'espère que ça, il va pas être puni. Parce que là. Avec cette frappe. Attention. Deux fois, il a voulu dribbler. Attention, superbe relais. Et pan, la frappe, l'arrêt de Nickel. Petit proche de Sabio. Attention, Ruiné bien fait. Ruiné tout seul, Ruiné. La frappe, oh là, décidément. Malheureux, il y a le temps. Il y a bien parti. Et cette frappe enchaînée. Et que. Donner cette énergie un peu plus à. Oui, Mandaoué, là, que l'on voit actif. Cette fin de match, le bon ballon vers Ruiné. 3-1. C'est regretté le pénalty. Hein. Ruiné, c'est fini. Bravo. Cette pluie qui va continuellement tomber va peut-être mollir ce devant. Et voilà, c'est parti. Par ce sol qui on se concentre, la tête. Pardon, John, mais c'était déjà la première. Ça commence. Grosse alerte, et pourquoi pas ce premier but. Ah, quel arrêt de Wea Washetin. Quelle parade. Belle arrêt. Qui va peut-être dans cette poussé. Surface de réparation. Il a perdu de la vitesse, mais ce crochet est intéressant. La frappe, ça passe. Il a marré, il y a une note un peu comme les Jehu, une autre partie qui s'entraîne. Il n'y a pas de hors-jeu. Gaïa qui va peut-être ouvrir le score, un contre un face à Wea Washetin. Techniquement, et si je pense, super gauche de mettre Yaritagi dans le jeu. Wachali peut-être pour l'ouverture du score. Et, bien, et voilà. Cette fois, c'est fait. Ouais, bien. Après, il faut continuer. Après, il faut continuer parce que c'est super bien joué. Bien joué de la part de Nakoko. Super remise. Match avec ce corner. Attention, passo, attention. La belle claquette. Cette équipe. Oh, super contrôle. Trop tard. Chahi encore. Ouh, le petit festival. Super ballon déjà. Ouh, la frappe enchaînée. Thank you.
attention. Oh, attention. Attention. Ce et peut-être ce 2-0. Oh là là, c'était limite. Limite. Ouais, c'était limite. De mise en plateau. Attention, ouais, attention. Avec Oria, la frappe, c'est directement sur Matteo. Camino. Et l'équipe de Wedge, on va quand même suivre cette action. Bon, ça part de tous les côtés. Il va aller chercher ce penalty. Quand même, hein. Il a exagéré, mais qui vient. Un peu plus haut que le libéro. Un peu plus haut que le libéro, voilà. Pour coup. Allez, attention, il y a de l'espace au deuxième poteau. Légalisation de l'horizon passant, il n'y avait pas de hors-jeu. Allez, là, du 3 contre 3, si ce ballon est bien donné avec l'arrivée de Wawiya. Oh. Ouh, on a cru que... Parti, bien joué, bien joué. Allez, bon ballon, Wachali. Wachali peut-être pour le 2-1, Christopher Wachali. Et voilà. C'est impeccable. Et il vient redonner l'avantage au sien. C'est vrai. Les deux coachs l'ont bien précisé. Hein, sur... Oh, attention, cette sortie un peu ratée. Ça traîne dans cette surface. Ouh là là, on a du mal à se dégager. Attention, qui va faire son triplé. Alors que là, il y a peut-être ce but du 3. Ah, c'est ce triplé de Wachali. Qui va... oh, il a fait un 2 avec Yaya. Ah, il a du ballon, hein. Oui, alors, c'est il ne faut pas non plus qu'il s'enflamme. Eric, c'est ça. Parle. Oh là là, oh là là. C'est bon ballon avec Wachetin dans la surface. Wachetin, la frappe, oh, c'est dévissé. Il récupère. Attention, attention, faut qu'il s'écarte. C'est un ballon vers Georges Béarounet. Le petit piqué, c'est magnifique. Ah, c'est... Ce que nous fait Georges Béarounet. Là, ils se sont lâchés. C'est ça. De garder son avantage sur ce match, mais attention avec l'horizon passo et Sergio Wachetin peut-être pour le 3 buts à 2, la parade de Nico Nakoko. Heureusement, heureusement. De côté, ouais, ça va partir, bien joué Quito. Ce ballon vers Wachali, superbe ce ballon de Wachali vers son coéquipier Wachali à nouveau, il rate sa frappe. Quand se dépasser devient un défi. On pense toujours qu'on a une limite et finalement on peut toujours aller au-delà. Non, t'abandonnes pas. J'avais dans la tête de pouvoir vraiment atteindre la plus haute marche du podium. Surtout face à l'adversité. Ça reste une revanche pour la prochaine. L'échec, ça a du bon aussi. Faut se relever de tout en fait. Il peut arriver à de grandes choses. Je ne savais même pas que c'était humainement possible. Sans limite, une série documentaire Canal+ Original, de nouveaux épisodes, jeudi soir sur Canal+. De retour au stade Nouma Dele, vous le voyez, le vent qui souffle toujours sur le grand stade de Nouméa. Ça s'est couvert, mais il pleut pas, John, pour l'instant. Et comme on le disait, on échappe à la pluie. Et il n'y a pas eu une pluie de but sur cette première période. Il n'y en a eu que un. Hein, on va revenir sur ces moments forts de la première mi-temps entre Cougnet et Mondor, qui fut quand même, on le disait avant de rendre l'antenne et cette mi-temps, quand même assez plaisante dans le sens où on a quand même vu deux équipes cohérentes. Oui, c'est ensemble. Ça. Exactement, c'est le mot. C'est le mot. Bien trouvé Romain, puis voilà, on va le voir sur ces images. Avec quand même un bon quart d'heure d'observation où on le sent, deux équipes à peu près du même niveau, hein, qui se craignent et qui ont de la qualité offensive jusqu'à ce pénalty sur cette faute signalée sur Vincent Vaquier. C'est Arsène Boahoué qui veut s'en charger lui-même, il s'est mal tiré. Ou en tout cas arrêté par Geronimo Wayway, le buteur mondorien qui pour une fois ne trouve pas la faille. Partie remise, ce sera toute la question de cette seconde période, on l'espère pour lui. En tout cas, il reste bloqué à 11 buts, hein, on le voit, Arsène Boahoué, il avait quand même eu trois bonnes situations. Avec une équipe John du Mondor qui a quand même par moment effectué de bien belles séquences offensives. Oui, après, derrière, c'est quand même... on va voir, attendez, sur le but. Le but de la SPD. Et voilà, le but, ou en tout cas, aucune faute n'a été signalée sur Petemou. Mathieu Doué-Péré, le buteur, l'unique buteur pour l'instant de cette rencontre. Et Boahoué, encore lui qui là avait cherché à enrouler, travailler ballon, son ballon. Et ce Jules Omeille qui aura amené de l'allant, de la percussion dans cette équipe mondorienne.
Et retour donc sur cette mi-temps et cette seconde période à venir avec, on le voit, c'est les... quelques supporters qui arrivent dans les travées. Le résumé de la première mi-temps. Ouais. Voilà les supporters et supportrices qui arrivent au stade. Et le retour des joueurs, on a été un peu... Là, tranquillement, les joueurs de l'AS Mandor remontent sur le terrain. C'est une équipe quand même qui a su correctement au milieu jouer des coups intéressants. Après, c'est clair que sur la dernière passe, sur les décisions à prendre, parfois, elles n'étaient pas les bonnes. Ou non, la l'avant-dernier geste. L'avant-dernier geste ou la justesse ou la qualité de la passe, elle était moins bonne que celle qui était juste auparavant. Mais en tout cas, on a vu des intentions qui étaient bonnes des deux côtés. Après, défensivement, bah, si ça a pu, si toutes les animations offensives ou toutes les attaques ont été déjouées par les acteurs en défense, c'est que bah, quelque part, il y a eu un placement qui était intéressant, il y a eu des mouvements, des déplacements qui se sont faits correctement. Et c'est clair que ces deux équipes ont montré justement de beaux profils, que ce soit offensivement ou défensivement. Malgré des erreurs techniques, malgré, comme je le dis, les intentions, elles étaient bonnes. On a en tout cas deux formations qui joueront en Super League l'année prochaine et qui aussi continuent à progresser et à consolider leur groupe. On a des joueurs aussi comme ceux de la Escounier qui se connaissent bien et ça, c'est vrai qu'au niveau de la régularité, si on arrive à trouver ça du côté de l'Île des Pins comme du côté du Mont d'Or, bah ça peut faire mal. Ouais, ça peut donner un championnat qui peut être intéressant. Ça ne va plus être un combat entre deux équipes pour le champion, mais ce sera pour beaucoup plus d'équipes. On a le Mont d'Or, peut-être l'AS Cougnet, j'espère l'AS, le SNE Djihou aussi, qui a manqué de régularité cette année. Pourtant, qui a beaucoup de très bons joueurs dans son effectif. Maintenant, depuis 2-3 ans, il y a des choses intéressantes. Maintenant, il va falloir passer un peu plus haut, un cap un peu plus haut, et ne pas être bon, mais essayer d'être meilleur. Dégagement de TUV. Et voilà, ah, c'est renversement de jeu dont je parlais de Dalbaquier qui sont intéressants. Il n'a pas pu la prendre, cette balle. Arsène Boaoué, buteur de cette équipe. Et donc on est reparti sur cette seconde période, on joue la 21e journée de Super League, l'avant-dernière on le rappelle, mais comme on le disait en avant-match, il reste 26 rencontres à disputer hein, sur cette fin de saison, puisqu'on ira même jusqu'au 17 décembre quand même sur les matchs en retard, sachant que la 22e et dernière journée complète est prévue la semaine prochaine, on sera forcément ensemble en direct. Mais qui aura donc un super ballon. Superbe ce ballon, quand même ce beau mouvement. Il faut se parler, c'est pas fini avec l'opportunité pour Cougnet de doubler la marque. Et voilà qui est fait. Dany Monmieux qui passe deuxième meilleur buteur. Un très beau ballon de Gabriel Bakoumé de l'autre côté. 12 buts pour Monmieux et surtout ça fait 2-0 pour l'AS Cougnet qui prend pleinement les devants et qui break dans cette rencontre. Jaune sur un beau mouvement. Un très beau mouvement après. On va essayer de revoir cette action. Encore ce jeu, cette transition gauche, toujours. Transition pour... Voilà, Marvin Van Degu qui va trouver de l'autre côté. Ouais, il est saoulé, il revide. Et puis ce centre, c'est bien fait de la part de Gabriel Bakoumé. La volée de Monmieux. Bah, il est en confiance, Gianni. Alors forcément, donc, c'est pas fait prier pour doubler la mise. 2-0. Et puis c'est vrai que c'est un peu à l'image de cette équipe de Cougnet, ce jeu. Vertical, très direct, mais ça va vite, ça percute. Ouais, on sait que Cougnet, c'est toujours en deuxième mi-temps qu'ils arrivent à mieux jouer que la première. Donc faire attention à l'évolution du jeu de cette équipe. Première mi-temps, ils sont plus observateurs, ils sont plus timides. Puis en deuxième mi-temps, il y a plus de prise de risque, il y a plus de jeu vers l'avant et essayer de renverser la situation. En tout cas, ça fait 2-0. Oui, c'est...
Pour le Mondor, il va falloir faire très attention à ne pas se découvrir, parce qu'ils sont à trois derrière, que tout le monde là le voit, et ils partent tous à l'abordage. Ouais, puis ça laisse présager aussi une seconde mi-temps ouverte. Seconde mi-temps ouverte, c'est ça. Allez, long ballon vers Ciao. Intervention de la défense. Attention, parce que là. Mathieu Doué Péré, avec du soutien, Vakoumé. Et donc très vite dans cette seconde mi-temps, ce deuxième but a été marqué par Gianni Manmieux, plus que jamais dans les bons coups cette année. Et donc deuxième au classement des buteurs, 12 buts à son actif. Ouais, c'est bien. Il redescend, Dan Vaquier. Il faut vraiment un joueur, Roberto Noéré, il est derrière le joueur. Il redescend un tout petit peu parce que... Ça peut partir très vite, je l'ai dit. On a laissé l'avantage. Il est tout seul maintenant. À l'opposé, il était rentré un peu trop tôt là, Neuwere. Qui va essayer de conserver ce ballon. Superbe retour de Nepamwadou. Oh, le râteau. Et on cherchait Boawe. Oui, Daniel Doué Péré qui intervient. Attention à ne pas la perdre. Ouais. Et très bon retour d'Hector Wayo. Vaquier et Dan. Capitaine Mondorien avec Omeil. Et voilà, toutes ces prises de balles sont vers l'avant. Il est intéressant ce Jules Omeil, mais il faut lâcher. Après, c'est ça, c'est. Pas trop compliqué le jeu. Prendre l'information avant même d'avoir reçu le ballon. Avant de prendre le ballon. Et on voit ce duel et le petit râteau de. Hop, et Romayel n'est pas moins doux. Duel de deux joueurs plein de talent technique, là. Ouais, deux joueurs techniques. Qui prennent le temps, le décalage il n'est pas encore fait. C'est pousser le joueur à essayer de casser une ligne de défense qui est en place. Faut manœuvrer. À droite, à gauche, continuellement. Trouver le décalage et dès que le décalage est trouvé, bah, accélérer le jeu et puis trouver de la verticalité. Jouer de l'avant. Pas tout Diaïké. Pensif. Songeur, forcément. Ah. Non, c'est pas Kenji Vandégou, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est son homologue. C'est un super jeu. Bien joué ça, point d'appui, là, Mathieu Doué Péré. Il faut pas se rater, là, faut se parler où il y a eu un choc avec. Avec Doué Péré. C'était mou et Doué Péré. Au revoir. Ah, il est arrivé lancé. Ça peut mériter un avertissement. Oui, je crois qu'il en a eu un. Oui. Effectivement. Staff médical qui intervient. On va. Aussi parler de foot féminin, parce qu'aujourd'hui à 17h30 se jouera la finale du championnat fédéral féminin senior. On reprend les mêmes. On recommence. Remake de la finale de Coupe des Calédonies filles entre la SAF et la FCF Academy. 17h30 du côté du stade PLGC de Nouméa. Petite revanche pour la FCF. Ouais. La SAF qui est bien partie en tout cas, il suffira un nul aux filles de Coralie Bretenier pour remporter cette première édition du tout nouveau championnat fédéral senior filles de la fédération. Et puis restez bien avec nous, hein, on prendra l'antenne aux alentours de 17h20 pour la seconde rencontre télévisée du jour. Le leader Tiga face à Wedge. Ayama. Tiga qui donc un petit matelas d'avance, mais attention, 5 matchs à jouer pour Yengen encore. Tout comme Tiga et Magenta à l'affût avec 2 matchs en plus pour l'instant, mais qui reste quand même au contact. Et là forcément, vous aurez compris, on parle du titre de champion de Calédonie. Allez, Boawe, ce petit ballon piqué.
C'était bien arraché pour tenir cette balle et Mondor toujours sur ce côté droit. Ça. C'est de limiter le nombre de touches. Attention, il y a deux contre un et ça va aller très vite avec Manmieux. Manmieux, un contre un face à Pétémou pour le 13e but de sa saison. Johnny Manmieux et surtout ce 3-0 et ça, je disais tout à pour la Escounier. Ils se découvrent complètement les joueurs du Mondor pour essayer de revenir au score. Mais voilà, derrière. Marche sur l'eau, Johnny Manmieux, en ce moment. Et ce ça ballon, c'était une offrande. Hein. Des espaces à faire très attention, garder quand même cette qualité. Sur les ouais, beaucoup trop d'espace défensivement, ouais, il faut essayer de là il est tout seul, il y a pas ouais, de cette tête il est en un contre un, il n'y a personne qui le court après derrière et encore ils sont trois contre un et il la joue bien et il la joue bien, il joue bien le coup dans le dernier moment, il fixe le gardien Gianni Manmieux décidément. Bon, en même temps il n'en finit plus de nous buteur, surprendre deuxième meilleur buteur de ce championnat, 13 buts, bah bravo, il fait quelle saison il nous fait ouais, Gianni ouais. Et surtout là, 3-0. Il va falloir encaisser ça côté Mondorien. Et très vite essayer de revenir à la marque. Ouais, corner quand même. Ouais, ils se sont découverts là. C'est... Et corner à venir pour la SMD qui est donc menée. Par 3 buts. Ouais. On pourrait trouver ça sévère, mais font preuve de beaucoup de réalisme, cette équipe, ces joueurs de l'île des Pins. Aujourd'hui, avec leur double buteur, Gianni Manmieux. Sur ce premier quart d'heure de seconde période, Les Mondor est malmené. Avoir leur force de caractère, cette équipe de. Oui, il reste du temps. Diaké, oui. Pour essayer de revenir tout d'abord au score et de se remettre sur les bons rails. Peut-être sur corner. Avec Boawé qui remet dans l'axe. Nonmeu au second ballon. Il va chercher la faute. Oui, il la trouve. Coup franc à l'extrémité de la surface de réparation. On revoit, bien fait. Nonmeu, c'est un peu isolé. Sortant, il va encore chercher un coup franc sortant. Il obtient un très bon coup franc. Ouais, sortant. Visiblement avec Boawé. Ah, c'est un choix. Mur à deux avec les grands là qui sont montés côté Mondor avec on va essayer de trouver la taille de Maraïma Chao, Dan Vaquier. Il est en retrait là, juste en retrait là. C'est un second poteau, ah, c'est tiré trop fort. Attention parce qu'après voilà c'est. Et encore une fois. Une fois il est scellé Jules Omeil. Faut pas la perdre là maintenant. C'est bien fait ça. Avec une nouvelle phase de construction côté Mondor. Bien joué. Voilà, ce ça ballon c'est très bien. Ce et dommage, ouais, encore une fois, on le disait, c'est souvent cette dernière passe qui manque. Ça, ouais. On cherche, on n'arrive pas à trouver cette justesse dans l'avant-dernière et la dernière passe. Allez, peut-être là, il n'est pas moins doux. Bousculé, ouais, il obtient la faute. Ah, ils poussent les Mondoriens, ils savent que j'aimerais bien revenir à la marque au niveau de cette heure de jeu là. Ouais, c'est ça. Dan Vaquier, son pied gauche. Là, il n'est pas sûr de lui le gardien. De la Escounier, il faut en profiter. Ouais, il frappe fort.
angle ouvert. Ah non, c'est beau, il va encore donner un petit ballon dans la surface, centre. Il essaye de tenter 120 mètres, 25 mètres. Allez, bon, oui. Encore, on cherche la tête et le second poteau. Intervention. Le gardien qui a été sorti, il me semble que c'est Vincent Vaquier du bout du crâne hein, qui l'a dévié. Au revoir. Non, c'était Gabriel Vacoumé, pardon. Gabriel Vacoumé ouais. Qui l'a sorti. Bien défendu. Bon, oui, encore une fois, c'est bien tiré. Ouh, ça chauffe sur cette cage de Geronimo Waiwe. Pour l'instant, garde ses buts inviolés. Il a arrêté un péno, en plus. Donc, pour l'instant, il a fait son travail. Voilà, peut-être du changement à venir avec notamment Guy-Éric Wayo, le jeune Wayo qui s'échauffe là, qui intensifie son échauffement. Il devrait pas tarder à rentrer. Alors qu'on va passer l'heure de jeu dans quelques instants. N'est pas moins doux. Nonme, dommage. Encore une fois, on essaie de développer ce jeu. Où il y a du monde à l'opposé. Appui remis, pas superbe, le jeu à 3. Et la frappe de Dan Vaquier. Ah, il y a du beau mouvement, mais c'est la conclusion qui manque aujourd'hui. Quand ils arrivent, ils étaient sur un côté, le côté est fermé. Ils ont continué à jouer ce jeu au sol, voilà, à trouver super rapidement sur l'appui remise. Le jeu rapide. Il n'y a pas de ses premières intentions. On n'essaie pas de la toucher 2-3 fois. Ça donne de la vitesse au jeu, ça donne du rythme. Et le ballon, il vit. Et ça surprend l'adversaire. Et occasion de but. Attention. 4-0. Et 4-0. Quatrième but pour Roberto Noéré. Super ballon du côté gauche. C'est ça après. C'est où il va falloir faire attention au Mandor. C'est quand il y a eu des phases offensives, des animations offensives derrière. La contre-attaque fatale. On connaît Roberto Noéré, alors qu'on était resté même sur cette superbe. Ouais. Ce superbe mouvement mandorien. Et dans la foulée. Ah, ils font preuve vraiment de réalisme, d'un froid réalisme aujourd'hui, les joueurs de Cougny. On voit sur l'action même la relance très lointaine de Vaquier, la déviation de la tête, et puis cette frappe, ce missile, pleine lucarne. Rien à dire. Il ne faut pas qu'ils soient attirés, il faut que les trois derrière, ils arrivent à garder des distances. Les distances entre eux, entre leurs partenaires et les distances entre l'adversaire. Tu me fais rater le but. Trop proche, et ça crée ces situations difficiles où. Où c'est indécis et derrière et l'occasion elle est bonne pour l'adversaire de récupérer et puis de marquer comme ce qui s'est passé avec Roberto. C'est vrai qu'on me signalait un petit jeu à la Nantaise là côté mandorien, malheureusement ça n'a pas payé et puis dans la foulée on se fait punir, voilà, c'est aussi ça le football, par moment on est puni. Oh là là, il aurait pu frapper. Et ça ne veut pas rentrer vraiment aujourd'hui. Ouais, oh, décidément, ils ne sont pas vernis quand même, les Mondoriens. Et attention à ces phases pas qu'ils jettent. De contre-attaque qu'il va falloir quand même gérer. Alors, on voit, il est tout seul. Il faudrait qu'il y ait un des milieux qui vienne donner la main. C'est ça. Lui donner la main à cet axe-là qui est gardé par ces trois joueurs. Et on va revoir, il y a certainement tout à l'heure, mais il y a une grosse encore opportunité pour Dan Vaquier et le Mondor. Oui, il la met en retrait alors qu'il aurait pu. À l'italienne un peu aujourd'hui, la SK. Hein. Solide. En tout cas, ils font preuve vraiment d'un sacré réalisme devant les buts. Voilà, il faut y aller. 4-0. C'est vrai que ça paraît sévère hein, pour une équipe du Mondor qui ne fait pas pâle figure non plus. Mais c'est vrai que attention au déséquilibre sur les transitions défensives. Et bon, ils vont peut-être essayer et devoir se découvrir aussi de jeunes pour essayer de revenir à la marque. Oui, ils sont obligés, mais il ne faut pas qu'ils se découvrent complètement. Jusqu'à laisser un seul joueur défendre derrière. Non. Et Wayo qui vient de rentrer. Oula,
Ça a été musclé là, de la part de Philippe Bakoumé. Heureusement qu'il saute pour faire. Parce que s'il n'avait pas sauté, ça aurait été un peu plus. Alors là, on va dans justement cette action. Il veut la mettre. La frappe. Il aurait dû partir sur son pied gauche et frapper. Après, derrière, il y a du monde. Si le gardien. Il est toujours contré. Relâche, ouais. Ah, ils sont dans ce qu'ils recherchaient aussi, la Escunia. Vraiment, pour l'instant, ils réalisent leur plan qui fonctionne, hein, j'ai envie de dire. 4-0 et la volée de Ciao. Dommage, c'est pas du tout cadré, mais voilà, on tente malgré tout côté Mondor. Rien lâcher. Et encore une fois, deux contre un pratiquement avec ce bon ballon de Roberto Neuere. Et la parade de Pétémou, heureusement, il s'est sacrifié là vraiment en venant se jeter dans les pieds de Mathieu Doué-Perron. Il n'était pas loin du 5-0. Ils mettent du temps à se replacer, à s'organiser défensivement, puis après on se retrouve quel dans bon des ballon. Situations. Je me demande s'il n'était pas en jeu quand même. Dangereuse. Roberto ? Non, il y en a aucun. Non, pas non, même. Mathieu, non ? Doué-Perron ? Non, non. Pas du tout en jeu. En tout cas, il se fait mal sur cette sortie. Le gardien, Dimitri. Ouh, en tout cas, on n'était pas loin du 5-0 qui aurait pu faire vraiment mal. Ouais, superbe ce ballon, en tout cas. Et quelle sortie aussi de Dimitri Pétémou. Ouais. Reste au sol, portier de l'AS Mondor. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est vrai que le score de 4-0 peut en surprendre plus d'un, mais oui, Kenji Vandego à l'image et son équipe qui ont été vraiment réalistes. Et c'est ça, preuve de réalisme. Derrière, le Mondor a plein de sang-froid devant. A manqué de justesse défensive. Ah, j'ai envie de dire un peu contrairement au Mondorien sur les grosses actions qui ont manqué de... Bah de finition, à l'image aussi de ce pénalty raté, les entrées de Kevin Takamatsu et Jean-Paul Audra. Jean-Paul Audra d'ailleurs. Qui est rentré à la place de Marvin Vandegou. Marvin est sur le terrain, je crois, c'est Mathieu Doué-Perron. Ah, c'est Mathieu Doué-Perron qui est sorti, oui. Oui, il est plus bas. Et on allonge. Ah, idéalement, il faudrait que le Mondor essaye de revenir. Ils ont les moyens. Assez vite. L'entrée, vous le voyez, hein, de voilà. Numéro 8, la Guéric Cuero, qui est un joueur très intéressant. C'est trop tard. Toucher 40 fois le ballon, ça, justement, ça permet à ses défenseurs de revenir et ça tue la course des attaquants. Oh. Marvin qui fait un tacle. Là. 4-0. Riska qui est bien parti pour enregistrer quand même une 8e victoire. En 18 rencontres. Alors que les Mondoriens repartent du côté droit avec ce ballon poussé un peu trop loin de Ronaldo Nonmeux. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent aussi, donc on aura, je le rappelle, donc cette journée, cette 21e journée et la 22e. Samedi prochain, John dans la foulée, qui sont des journées complètes de 6 rencontres. Et puis ensuite, beaucoup de matchs en retard, hein, on le disait tout à l'heure. 14 au total jusqu'au 17 décembre. Et puis on aura deux journées télévisées, la journée 17 et 18, les 3 et 11 décembre. Avec pour clôturer ces matchs télé, un match décisif peut-être pour le titre. En tout cas, on sera fixé le 11 décembre
puisqu'on finira par un Magenta Tiga Sport sur les antennes de Pacific Plus et la FCF TV Web. Avec donc ces 17e et 18e journée où on verra des matchs en retard. Bon, c'est un peu. Ça a été compliqué hein, cette année dans le calendrier, mais c'est aussi tous ces soucis qu'il y a eu avec les avions, entre les grèves, la météo. Alors, en parlant de météo, là, la pluie est arrivée sur la capitale nouméenne. Ça va rendre fusant ce terrain. Ça va être très bien. Ces deux équipes qui ont joué au ballon. Pile poil pour la rencontre aussi, Tiga Wedge, forcément, Tiga Wedge. Comme tu le dis, John. Restez bien avec nous donc pour ce deuxième match à suivre télévisé de la journée. On en reste pour l'instant sur une victoire à l'aller 2-0 de Tiga. Mais Wedge va aussi devoir récolter des points et pourrait essayer de surprendre ce leader. Ils ont la qualité pour tenter d'aller bousculer l'équipe de Tocanod. Oui, et puis il faut qu'ils sortent aussi de cette zone dangereuse pour eux, et celle du barragiste. Donc au moins aller chercher un nul pour eux, pour la S-Wedge en tout cas. Centre avec ce ballon dans la surface de réparation, Ronaldo Donneux en jeu. Ah, on sent qu'ils sont pas loin vraiment de trouver le chemin des filets, mais qui manque toujours soit de la réussite ou ce petit brin de réussite effectivement aussi, mais d'une part et puis cette la petite justesse technique, ça, le bon choix, la justesse technique. C'est vrai que beaucoup de paramètres qui font que ils n'arrivent pas après derrière à conclure et revenir au score. On voit justement dans les tribunes Léo Lopez, le coach de Tiga, va pouvoir descendre tranquillement. On voit préparer les siens. Là, quand ils jouent de cette manière, c'est plus difficile pour l'adversaire de défendre. Roberto Neuere. Ça y a rien, il s'est pas fait. Ouais, c'est bon. C'est pas bon chez le Royal, attention, c'est relance, la volée. Marvin Van Degou. Je vais laisser le rebond. Ensuite. Et d'ailleurs, à l'aller, John Roberto Neuere. Gianni Manmu avait déjà été buteur. Hein. Vous connaissez qu'il l'avait emporté 2-1. Voilà, c'est. Et c'était encore deux buts inscrits en tout début de seconde période. Alors que le Mondor menait. Là, on est dans une autre configuration. Parce que c'est vrai que l'AS Mondor n'a toujours pas réussi à marquer ce but, cette rencontre. Pourtant, ils ont eu des situations. Ouais, jusqu'au péno. Jusqu'au pénalty raté par Boaoué. Oui, oh. Avec Nonme. Ouais, centre raté. Après, c'est dur aussi mentalement. Hey. 4-0. Faut quand même y croire, essayer d'y croire, mais y a le chrono qui défile. Et donc, pour en finir avec ces matchs en retard, hein, le championnat qui se clôturerait le 17 décembre, totalement avec un match en retard de la 16e journée et deux matchs en retard de la 20e journée. Le 17 décembre. Allez, on est tout là-bas dans le coin. Là, on essaye de tenir ce ballon du côté de Cougné. Ça se bat. Ted Marvin Van Degou qui n'obtient rien. Mais il n'était pas forcément d'accord, l'attaquant de l'île des Pins. Et on reparcourt du côté de Mondor. On revoit
essayer de protéger son ballon. Là, ils arrivent. Manmieux. De moins en moins. Avec Audra. Manmieux. Ça combine bien. Côté de Cougnier. Et on rentre intérieur avec ce crochet. Et ce ballon en retrait, dommage. Frappe ratée de Vakoumé. C'était un beau mouvement. On va rentrer dans ce dernier quart d'heure, donc dans quelques temps. Et là, on avait vu une belle combinaison côté de l'ASK, la tête de Vaquier. Ah, forcément, John, il y a de plus en plus d'espace. Avec aussi la fatigue. La fatigue et puis bah, parfois le découragement ou l'envie de faire d'aller marquer un but au moins. Oula, ça fait bouger. Il obtient la faute, Takamatsu. On a vu encore un beau petit geste hein, de juste avant là de Roberto Neuere. Très fort. Petemo, t'es passé au travers. C'est quand même, ça va être compliqué en un quart d'heure d'aller remonter 4 buts. Faire une remontada. Double changement. Côté Cougnier. Rocky Couré et Van Aël Cotereux qui vont rentrer. Philippe Vakoumé qui cède sa place. Comme Vendégou, Marvin. Attention. Ah, c'est toujours aussi ces systèmes avec cette défense à 3 où quand on est vraiment pas dans le replacement, c'est très compliqué. Bah oui, on est très vite en grosse infériorité numérique. Surtout quand l'équipe adverse est en 4-4-2 comme ça, avec deux attaquants qui sont en permanence devant. On se retrouve souvent à du 3 contre 2 défensivement. D'accord. Surtout pas faire d'erreur défensive. Après, on peut se retrouver comme on l'a vu tout à l'heure. 2 contre 1 pour l'attaque de Cougnier. Ou même 3 contre 1. Donc, défensivement, il faut être avoir beaucoup de rigueur. Et la touche. Surtout, un soutien de la part des milieux. Ah oui, voilà, faut accompagner. Comme ils sont se replacer. Oui, ils sont 5 au milieu. Il y en a un qui fait toujours la navette, même si c'est pas le même. Et ouais, va communiquer. Essayer de préserver cette charnière, en tout cas cette charnière centrale. Parce qu'à chaque fois, c'est on se retrouve tout seul le joueur. Alors, mais il aura fait beaucoup d'efforts hein, aussi, il faut dire, mais. Ouais, comme ce joueur, Dan Vaquier. Dan aussi, ouais, effectivement. Là, faut qu'ils tentent leur chance, soit qu'ils frappent au but. Ils voient bien que le gardien, c'est un gardien de remplacement, c'est pas forcément le gardien titulaire. Il y a des hésitations, donc faut profiter. Le ballon, c'est des ballons qui flottent, il a le vent. Le ballon, il peut flotter encore plus. Donc, faut frapper, même côté ouvert, frapper fort. Alors, il y a au ballon Nonmeux, n'est pas moins doué, Waéo. Ils ont eu plusieurs occasions pour frapper au but. Ils ont toujours essayé de jouer des centres avec Boaoué, Arsène. Ben, je pense. En tout cas, ce sera un des deux
joueur de pied, au pied fort, le droit. Frappé fort, sûrement. Ouvert. Non, en fait, c'est Naldo Nonmeus. C'est hors cadre, dommage. Allez, c'est souvent de la placer, côté fermé, il y a le mur. Avec ces ballons-là, tentez. Pas des gardiens supersoniques. Un peu. Tentez côté ouvert avec ballon flottant. Et l'on renvoie. Et ils se sont fait surprendre aussi. À deux reprises. À deux reprises. C'est le long hein. dégagement et ses déviations ouais. de la tête, plein axe. Là où justement, John faut un qui va au duel, un qui compense, qui un couvre. Qui compense, qui prend du recul. Couverture à chaque voilà, fois. Couverture mutuelle. Ce qui n'a pas été trop assuré. Non, mais on l'a vu, hein, le but de Gianni Monmieux sur un duel. Le ballon est gagné par Cougnet et derrière il est tout seul. Gianni Monmieux et puis il va inscrire son 12e. La frappe. 12e but, voire 13e. Alors disons que les Mondoriens aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont manqué un peu de réussite. Et puis ils se sont fait punir quand même à chaque fois sur moindre erreur de placement et de replacement. Bah, ils ont été menés au score en premier, donc après forcément il va falloir aller. Va falloir se découvrir pour essayer de marquer. Pour revenir au score et puis si on le fait pas et ben derrière l'équipe adverse ben, elle profite justement de ces erreurs de marquage, ces erreurs de couverture de défensive et puis ça permet justement ça. Après à des situations comme ça à du 4-0. Dégagement et encore une fois Vincent Vaquier impeccable aujourd'hui. Oui, mais en tout cas le 4-0 ça veut pas forcément dire que Cougnet a dominé le match, que ça a été une promenade pour eux aujourd'hui, non. Le jeu qui se développe à gauche, l'intervention de Vakoumé qui a fait un très bon match aussi. Attention à ne pas la perdre. Théouvé qui a trouvé son gardien. Temu. Ou attention, c'est limite. Et on voit, on a quand même deux joueurs que sont Roberto Nevré et Gianni Manmeu qui sont très actifs aussi dans le pressing contre pressing, dans le replacement. Bah, ils sont là. Ah, ils comptent pas les efforts. Hein. Et c'est vrai que dans ce système, c'est très important l'animation des côtés dans ce 4-4-2 à plat. Ah bah surtout face à une équipe qui est. Avec 5 milieux et puis 2 attaquants en face. Vraiment mieux. Le meilleur buteur de cette formation de la Escoulier qui sort et qui cède sa place. Brian Doué-Péré. Ouais, chapeau. Gianni Manmeu. Encore double buteur aujourd'hui pour ses 12e et 13e réalisation. Il peut encore croire au titre de Pichichi, meilleur buteur. Oh, ça va être chaud, hein. L'Ouest, il est, il est loin quand même. Ouais, bah, il a ses buts. Mirage, hein. Il restera à Cougnet au sortir de cette rencontre. 4 matchs. Il faudra un rythme élevé hein, pour rattraper l'Ouest qui sera peut-être aussi buteur face à Wedge aujourd'hui. Son club formateur. Ouais. Bon après bien sûr c'est entre guillemets anecdotique forcément ces récompenses individuelles même si elles font toujours plaisir. Là on voit défensivement, regarde ouais. Défensivement c'est ils sont des largesses derrière. Faut que Dan il descende plus bas. Au moins pour venir compenser. Là au milieu il y a un boulevard, bien joué de la part de Jomey. Avec ouais, mais bon être plus concentré. Le mieux c'est de faire l'effort. Parce qu'après, quand l'action. Elle se développe et elle arrive à l'endroit où on n'a pas justement fait l'effort pour essayer de combler cet espace qui a été créé par l'adversaire. Et ben, ça donne des situations de but tout à l'heure qu'on a vu, des dangers pour le but, pour le gardien en tout cas, le gardien de l'AS Mandor. Donc c'est même pas anticiper, c'est faire les déplacements au bon moment, savoir se déplacer correctement au bon moment. Ouais, combinaison
Il se bat, ouais, Louis Daniel Doué-Péry qui garde ce ballon. Et la possession est toujours pour Cougnier. Et ce superbe centre. Ouais. Très tendu. Et on s'en sort un peu tant bien que mal côté Mondor. Ouh, il y a de la supériorité numérique. Avec une fixation. Joué. N'est pas moins doux. Finalement, ça revient vers Chao. Ça va être un peu long ce ballon. Ouais, oui. C'est ça, ils ont... Mais c'est vrai, on va revenir sur Gianni Manu. Mais en tout cas, ils ont des joueurs très travailleurs côté Cougnier. L'état d'esprit est là. On chine pas aux efforts. Non, il est fort. C'est intéressant. Il est fort. Après, Et puis ils ont su gommer là au fil des matchs. Bah, c'est aussi ces défaillances tactiques défensives. Après, il faut qu'ils essaient de le faire sur toute la saison, comme on l'a dit. Dès le départ, dès le début. On s'approche tout doucement de cette fin de rencontre. Un peu moins de 10 minutes. Là, on voit quand même mal Cougnier se faire remontada. Revenir au score, mais je pense que on aimerait peut-être voir aussi le Mondor l'auront au moins mérité, au moins de marquer un but aujourd'hui. Marquer un but au moins. Dan Vaki va marquer son but. Il... En bon capitaine. Il a envie de le mettre ce but. Aïe, ouais, oh. Attention, attention, parce qu'il est tout seul. Faut pas qu'il aille se jeter. Oh là là, encore du 3 contre 1. Ah, bien joué, là, et c'est heureusement hein, qu'il la met mal. Ah, et puis non, mais c'est mal joué aussi de la part de l'attaquant. C'est Brian Doué-Péré. Brian Doué-Péré, mais en tout cas, bien joué de Brian Doué-Péré. Venir fermer. Patrick Cotteroy, pardon. Non, c'est Brian Doué-Péré, c'est ça. Brian Doué-Péré. Allez, n'est pas moins doux. Ça joue vite avec. Wayo qui a trouvé Djapounia. Ah, il y a quand même pas mal de jeunes hein, dans ce 11 titulaire aussi. De... Mis en place par Patrick Diaïké. Donc, forcément, on apprend aussi de ses erreurs. Et puis c'est la gestion d'un match. Ouais. C'est bien qu'ils viennent évoluer dans cette équipe. Parce que là, ils n'ont plus rien à respirer. Ils sont 5e, le Mondor. Étant préparé déjà l'année prochaine. Tester les jeunes. Voir leur potentiel. Puis les préparer. Pour la saison prochaine. En tout cas, voilà. Coffrant pour l'AS Cougnier, on sent la frappe, ce soit plus lourde. Allez, Vaquier, la lourde, mais beaucoup trop. Le cadre qui se dérobe. Allez, Marima, ciao, déviation de la tête. Ça revient dans les pieds du numéro 9. Vaes Mondor. Jeu intérieur, le 1-2. Qui était recherché. Il n'y a plus de jeu, donne. Ouais, finalement, on a un jeu du Mondor qui est assez axial. Le jeu intérieur qui est souvent recherché. Très peu de centre. Ouais, mais... On cherche les combinaisons là dans l'axe, dans les demi-espaces, et c'est là où il faut être juste justement techniquement. Eh bien non, mais décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on cherche à combiner avec Romain Yel n'est pas moins doux, Reynaldo Donneux qui rentre beaucoup, et puis peut-être que parfois alterner avec un peu plus de centre, ça ferait. Bah, tout à l'heure, ils avaient bien commencé avec les doublements non, justement sur le côté. Dan Vaquier qui prenait ce côté gauche. Hein, il... Et voilà, on le voit encore en piston très intérieur, la Dan. Mais bon, sur des séquences vraiment. Attention, parce qu'après. Propose du bon jeu, les Mondoriens, mais ils se sont fait vraiment surprendre en contre avec encore un ballon. Oh, le chat est arrivé. Ouais.
Dimitri Petemou dans son... Limite la casse parce que c'était un super ballon. Il est encore, c'est ça. Les distances entre les... Défensivement, les distances étaient... Voilà du tout. Dans son style caractéristique à Dimitri Petemou, il s'est encore intervenu à la limite de sa surface de réparation. Dernier changement, je pense. Adolphe Tamay qui rentre. Il va. Qui va sortir. Et la sortie. Bueno. De Thieu Bueno. Ces dernières secondes de jeu. Entrer dans le. Ce temps additionnel. Et on renverse le jeu encore avec Dimitri Petemou qui a relâché ce ballon. Ouais, c'était. Non, on peut pas mettre un. Ouais, c'était limite. Ouais, ça sert à rien de mettre un péno là, ça y est. On voit avec ce ballon glissant. Oh non. Bon, en tout cas, ça fait corner, ouais, ça influera pas sur le score de. Ça influera pas donc. Cette rencontre. Dans moins d'une minute, on entre dans les temps additionnels. Allez, c'est joué avec au sol Newere. Roberto Newere. Trouve pas de solution dans l'axe. On se dégage côté Hondorien. Adan Vaki à l'opposé. Il y a énormément d'espace. Voilà. Encore une fois. Vaquier, l'autre Vaquier était en couverture et ballon trop en profondeur, mal ajusté. Et on allonge encore. Vaquier vers Maranhuma, ciao. Et la frappe, il avait réussi à se retourner, Tamay. Ça ne donnera rien. Et nous voilà dans le temps additionnel. On est à 2 minutes, je crois, ou 3. Petit Gawetch à venir. Restez bien avec nous sur les antennes de Pacific Plus ou sur le web, la FCF TV. Page Allez. Super League. Et YouTube. Le leader va-t-il trembler contre Wedge ? Là est toute la question. Alors en tout cas, mais Wedge avait mis en difficulté Passo, Tigasport en coupe. Ah oui, oui, ok. Non, c'est Yengen, c'était Yengen, pardon. C'était Yengen. Ouh, c'est bien fait ça, avec ce ballon plein axe. Quel enchaînement ! Superbe de N'est pas moins doux. Nous a gratifié de semelle là, un jeu avec sa semelle et a réussi à se retourner. Ouais. Bah, on va dire que c'est mérité quand même. Oui. Ce super mouvement en pivot. On va revoir avec ce bon ballon qui arrive finalement vers Nepamwadou. Double contact, semelle. En pivot, il arrive à se remettre dans le sens du but et armer sa frappe superbe, vraiment, rien à dire. Ça vient aussi récompenser quelque peu cette équipe mondorienne, même si ça ne changera rien. Mais bon. Au moins un but inscrit aujourd'hui, c'est... Oui. Pas immérité pour la S Mondor, effectivement. Attention. Qui avait manqué de réussite. Le dernier corner. Ça va être sortant. Ah,
ballon dans cette surface de réparation. La frappe, c'est la barre transversale sur ce tir de Wayo. Ouais. À l'image de cette rencontre, peut-être pas... avec le Mondor. Oh, je pense que ce Brial, il peut mettre un terme à cette rencontre et puis envoyer les deux équipes au vestiaire pour laisser place à la deuxième rencontre. En tout cas, une belle victoire de Cougnier aussi, qui a su jouer comme il le fallait, marquer quand il le fallait. Et on voit cette frappe sur la barre. Ouais. Cougnier donc qui gagne encore en confiance et qui reviendra un peu sur le Mondor. Ouais, puis déjà, qui gardera cette sixième place et cette première partie bien de loin tableau. De... Bon, ça y est, là, c'est fait. Classement, le qui, place. Pendant un moment, hein, sont restés avant-dernier du classement. Ils étaient avec Wetch. Ils ont mis le turbo quand il fallait. Ils étaient avec Wetch. Wetch était barragiste et Cougnier. Ouais, bah là, il passe à 43 points. Le Mondor 49. Il gagne un peu de terrain. Oh, attention, un peu trop engagé. Ouais, surtout sur cette fin de match, ça sert plus à rien. On va aller faire des tacles de Kung Fu. Et Monsieur Brial qui laisse du temps, hein, pas mal de temps additionnel. Ouais. Et la frappe n'est pas moins doux. On n'aura pas réalisé le doublé, mais il aurait été quand même très actif, Romayel, encore une fois. Pas suffisamment donc pour apporter une nouvelle victoire au sien. Ça devrait s'arrêter là, hein, sur cette rencontre. 5 minutes d'arrêt de jeu. Attention. Allez, Marima, ciao. Second poteau. N'est pas moins doux. À la frappe. Il a failli me contredire en ayant encore une occasion. C'est fini, c'est fini. On sera au doublé, mais on va bien en rester là. John 4-1. Cougnier qui est récompensé d'une très très bonne partie, seconde partie de saison, et qui donc consolide sa place dans la première partie de tableau en réalisant une rencontre pleine de réalisme mais aussi pleine de cohérence. C'est ça, surtout, ouais, c'est ça. Comme tu dis, beaucoup de réalisme et beaucoup de cohérence. Et puis ça montre aussi justement que un joueur de leur. Animation offensive, donc Gianni Monmieux qui est quand même deuxième meilleur buteur, ça montre aussi quand même l'efficacité de cette attaque du côté de l'AS Cougnier. Il a montré encore qu'il y avait des choses intéressantes qu'il pouvait faire et qu'il pouvait être dangereux à tout moment. 4 buts. Ouais, et puis ils ont enfoncé le clou là sur le premier quart d'heure de cette seconde période. Vous l'avez vu avec ce doublé de Monmieux et Roberto Neuer. Et voilà, c'est des joueurs qui justement. Porte cette équipe vers l'avant, propose des animations qui sont intéressantes, dangereuses pour les équipes adverses. Et puis, 4 buts avec le réalisme qu'ils ont pu prouver aujourd'hui, ça montre vraiment et très bien cette qualité que l'AS Cougnier a au niveau offensif. Bon, on va voir les moments forains de cette rencontre avec les deux capitaines, forcément, Dan et Vincent Vaquier. Dan, originaire de l'île des Pins, vous l'aurez compris. Mais qui est le capitaine de l'AS Mondor, évolue au club de la SMD depuis 10 ans maintenant. Là, ça aurait pu tout changer sur cette action. Avec, et puis ce pénalty raté par Boaoué, à l'image aussi de ce duel dans le duel. C'est vrai qu'on a cru à un moment que c'était. Le Mondor allait. Mondor et Boaoué qui allaient inscrire son 12e but et surtout permettre au sien de mener. Mais la réussite a fui le buteur mondorien. On a vu des beaux mouvements hein, quand même offensifs côté ASMD. Comme on le disait aussi John, il aura manqué le brin de réussite par moment et puis le brin de justesse aussi qu'il fallait. C'est surtout ça, c'est cette justesse, bah, la réussite sur le. Puis ce but un peu chanceux là de Mathieu Doué-Péré, plein d'opportunisme. Sur une action, un coup franc lointain, on a cherché dans la surface de réparation.
Alors que du côté mondorien, on s'en remettait à des percées un peu fulgurantes de ce jeune joueur, Romey. Ça n'aura pas abouti aujourd'hui, et dans cette première période en tout cas. Et puis ils vont se faire surprendre avec beaucoup de déséquilibre, on l'a noté John, ouais. dans ce début de seconde période, du côté de l'AS Mondor. Voilà. Avec ce but sur ce beau centre, celui de Vakoumé Vert. Ce buteur de l'île des Pins cette saison. Manu, on a vu aussi des beaux duels, des beaux gestes. Ce râteau, magnifique. Là, on voit encore un boulevard. 3 contre 1, Monnier qui. La Gianni qui s'applique. Et qui va mettre le bon 13e geste. But. Il a caché son attention jusqu'au dernier moment. Puis on voit voilà, ces actions-là, là, où c'est simple, rapide, qui permettent justement de surprendre l'adversaire et apporter une action dangereuse. Et derrière, juste derrière cette action. Dans la foulée, ouais, on prend les mêmes, on recommence, une déviation de la tête. Et ça aboutit sur ce pied gauche, celui de Roberto Neuwirri. Le quatrième but. Impeccable. Et on était tout proche même du 5-0 hein, sur cette superbe intervention de Petemou. Sur Mathieu Dauberré. Et le Mondor, donc, il n'aura pas sur coup franc inquiété hein, le portier adverse. On était à la limite hein, sur cette seconde période défensivement du côté de l'ASMD. Oui, il y a eu une désorganisation défensive du côté de l'AS Mondor parce qu'ils avaient envie de revenir au score justement face à... L'auront fait hein, sur ce super mouvement ils arrivent individuel de Romayel. Voilà, double semelle. Et cette barre transversale, en tout cas ça fait 4-1. Pour Cougnet qui vient donc engranger des points et se rapprocher un peu plus de son adversaire du jour, surtout... consolident leur place dans la première partie de tableau du championnat. John, on a vu une belle partie, en tout cas intéressante. On espère en voir également une, et on n'en doute pas. Une rencontre intéressante, ce sera celle entre le leader Tigaspor et l'AS Wetch, avec un leader qui devra donc valider, on le disait, sa victoire de la semaine dernière face à Yengenspor. Donc forcément, on espère, avec ces deux équipes très joueuses et pleines de football, voir une belle rencontre. Restez bien avec nous puisqu'on reprend l'antenne aux alentours de 17h20 pour la seconde rencontre télévisée de cette 21e journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure.